Salut, moi c'est Mélie, je fais du journalisme scientifique et cette année je bosse en tant que vidéaste pour l'asso Efficience. À la base, je bossais pas mal dans les labos, je faisais des neurosciences, mais maintenant je me suis tournée vers la vulgarisation. La série documentaire Éduquer à l'esprit critique, c'est mon plus gros projet de l'année et je suis ultra motivée pour le mener à bien. Non seulement je trouve le sujet vraiment passionnant, mais en plus ça va me permettre d'expérimenter différents formats de vidéos. À commencer d'ailleurs par une petite présentation de l'équipe pour que vous puissiez voir un petit peu les autres personnes qui bossent à fond derrière ce projet. Allez, c'est parti! Here we go! Salut, moi c'est Pline, je suis doctorant et vulgarisateur en sciences de l'éducation. Et ça fait maintenant à peu près 4 ans que je fais de la vulgarisation, donc je connais plein de gens dans ce milieu. Et en plus de ça, ça fait 2 ans environ que je traîne dans le milieu de la recherche et je m'intéresse particulièrement à l'éducation à l'esprit critique qui me tient vraiment à cœur. Je me suis rendu compte qu'il y a pas mal de recherches là-dessus qui pourraient être super utiles pour tous mes amis, vulgarisateurs, enseignants, parents, bref, tous les gens qui, comme moi, cherchent à rendre le monde un peu meilleur. Du coup, cette série documentaire, c'est pour moi l'occasion d'offrir toutes mes compétences pour donner des outils à mes amis et à chaque personne qui se bat au quotidien pour une meilleure éducation. Allez, on va retrouver les autres. Let's go! Hey, salut Mélie, ça va? Eh ben écoute, moi c'est Guillaume, je suis médiateur scientifique et facilitateur graphique. Celui qui dessine en fait des choses, des contenus pour les rendre accessibles et compréhensibles. J'exerce en indépendant depuis 5 ans environ et j'adore en fait accorder le fond et la forme. Alors lorsque Pline, ah bah tu le rappelles, j'ai pas hésité une seconde. Et puis, dessiner de façon pédagogique sur l'esprit critique, il y a de quoi faire. Moi, ce que j'aime particulièrement dans ce projet, c'est que nous ne serons pas dans une posture de débunkage. Certains le font déjà très bien. Nous, notre créneau sera davantage d'apporter des clés pour que chacun soit outillé pour le faire soi-même. Et en plus, les membres de l'équipe, ils sont extra. Allez, on va voir les autres, je te suis. Coucou, moi c'est Lisette. Oui, je suis une Québécoise perdue en France et aussi une passionnée d'éducation. Je suis coach professionnelle et aussi cofondatrice de Efficience. De ce fait, je veillerai à ce que le projet soit en cohérence avec les valeurs d'Efficience et aussi avec la réalité du terrain. À travers mes expériences, j'ai constaté un grand besoin de soutien, que ce soit chez les jeunes, les parents, les éducateurs. Mais malgré la bonne volonté de chacun, il y a très peu de moyens pour nous aider à prendre un pas de recul quand on est confronté au flux roulant de la vie. On demande de réfléchir, on demande de prendre des décisions, mais on n'apprend pas à le faire. Donc, j'espère qu'avec ce projet, bien, on va réussir un petit peu à combler ce besoin. Allez, au boulot, Mélie! Je te suis! Okidoki! Ici Camille, je suis doctorante en sciences cognitives et j'adore remettre en question mes propres opinions et ceux des autres. Je m'intéresse aux processus captivants par lesquels nous, les humains, on développe des croyances, on raisonne, on débat et on prend nos décisions. Mais ce qui est super important pour moi aussi, c'est de pouvoir partager ces découvertes avec le plus de curieux possible. Et cette série documentaire, c'est une occasion idéale pour pouvoir mettre à disposition, rendre digeste et compréhensible par tous, les enseignements de la recherche, pour entraîner son esprit critique. C'est essentiel selon moi parce que ça permet de mieux penser et agir de façon plus nuancée et éclairée au quotidien. Bon, en vrai, j'ai juste rejoint le projet parce que j'ai entendu dire qu'ils avaient des chips. Mais j'ai bien fait, l'équipe est franchement trop trop cool. Mais tiens, d'ailleurs, viens, il faut que tu rencontres le reste de la bande. Mamma mia! Bonjour,
Moi, c'est Kevin et je suis doctorant en neurosciences. Avant de commencer mon doctorat, j'étudiais les sciences cognitives à Paris. Et c'est là-bas que j'ai fait mes débuts dans la vulgarisation scientifique, puisqu'avec Camille et plein d'amis, on a organisé des événements qui rassemblaient plusieurs milliers de personnes, avec des chercheurs de toute la France, voire même d'Europe, en neurosciences, en psychologie ou en sciences de l'éducation. Notre but, c'était de rendre accessible à plein de gens les découvertes de ces chercheurs et ce que ça nous permet de comprendre sur nous-mêmes, nos réactions, nos biais, en tant qu'individu ou en tant que société. Et c'est vraiment une partie de mon travail que j'adore et qui me tient à cœur. C'est d'apprendre, comprendre, simplifier ses connaissances pour pouvoir ensuite les transmettre à un maximum de personnes. Alors quand on m'a demandé ce que je pensais de ce projet, je n'avais qu'une seule réponse. Je vous suis. Moi c'est Sam, ancien adepte des théories du complot. Je me suis pris de passion pour le scepticisme et la pensée critique. Et donc, je vois très très bien comment on peut tomber dans les illusions logiques sans pour autant être parfaitement idiot. J'ai dédié toute une chaîne YouTube à ce sujet, et il se trouve qu'en plus de ça, j'ai une société, j'ai une boîte dont le but est de produire du contenu audiovisuel, pour elle-même et pour ses clients. Il est donc parfaitement normal que je fasse partie de la bande. L'esprit critique, c'est le truc qui m'a sauvé de tout un tas de croyances toxiques. Et donc, aujourd'hui, je fais vraiment tout ce que je peux pour que cette discipline vraiment pas intuitive du tout gagne le cœur des gens, parce que je crois fermement qu'apprendre à bien apprendre, c'est une des causes les plus urgentes de notre temps. Et d'ailleurs, en parlant de temps, continuez à le prendre pour apprendre à connaître cette formidable équipe dont j'ai la chance de faire partie. So long, Bowser! Press start to play! Let's go!